Alice. Ça me fait penser à cette roche d'Alcide. L'Alcide au charron, donc, ça va. Ouais. Quand on avait eu cette séance de la Fédération romande à Neuchâtel, on débarque. Il y avait moi, l'Alcide, deux ou trois autres, et route pour le buffet. Quoi, mais de juste. Naturellement qu'au buffet, on se cogne contre le grand Casimir de Lafroy et d'autres délégués neuchâtelois qui avaient eu la même idée. Nous voilà partis à fraterniser. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Enfin, tu entends ça, quoi. Ouais. Là-dessus, un neuchâtelois dit « Alors, messieurs, nous allons boire une goutte de vin. » Et mon Alcide, avec son air de ne pas y être, qui se tourne vers moi et qui dit « Moi, je suivre pour suivre les habitudes de l'endroit où on est. Et nous, dans le canton de Vaud, on a l'habitude de boire du vin. Mais puisqu'on est à Neuchâtel, je proposerais plutôt qu'on boive une goutte de Neuchâtel. Oh, 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 oh. C'est un tout crouilleux, ça, le Cid. On a ri, on a ri. Et les Neuchâtelois, ils riaient aussi. Ouais, c'est-à-dire qu'ils riaient, là. Comment on rit quand on a envie d'éternuer? Les Neuchâtelois, ça rit jamais, franchement. Comme là, tout ce qu'ils font, ça n'est jamais tant. Hein. Ah, sauf quand ils se battent. Oh, ça, alors là. Du reste, ils sont pas les seuls de leur espèce. Vous pouvez aller où vous voudrez autour de vous, vous ne trouverez que des gaillards tout prêts à se vanter. Tenez, les Genevois, quand ils ont des Genève, ils sont tout dit. Oh, et puis toujours à rouspéter, comme si on les égorgeait. Et puis cette manière de parler, pas comme tout le monde, comme s'ils avaient peur qu'on les prenne pour les autres. Il n'y a pourtant pas de risque. Oh, alors, non. Mais les pires... Sans qu'on les prix bourgeois. Oh, poussette, c'est même pas la peine d'en parler. Si, ça roule les airs, on se demande pourquoi. Ça mange des pantouilles tièdes, qu'on dirait du caoutchouc réchauffé. Il y a toujours leur religion à la bouche, des petits mondes, quoi. Tout petit. On ne voit que les Valaisans pour être encore moins. Sous prétexte qu'ils ont du vin buvable. Et encore. Enfin, chacun ses goûts. Enfin, mettons. Mais alors, ça vous a une de ces prétentions, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et une de ces graffenisses, toujours peur d'y perdre. Et arriéré avec ça. Enfin, du tout petit butin. Ouais. Heureusement qu'il y a nous. Ouais. C'est vrai, ça. Si on voulait, on pourrait aussi se vanter, non? Pardieu! Un canton qui a le meilleur vin blanc qui soit. Des paysages comme il n'y en a nulle part. Une instruction publique citée en modèle. Une campagne florissante. Des autorités de sorte. Enfin, tout, quoi. Tout, vous pouvez le dire. Ah, regarde, qu'on pourrait aussi se monter le cou comme tous ces gaillards qui nous entourent. Ouais, eh bien, malgré tout, on ne le fait pas. On reste chez soi, tranquille, modestement, sans faire tant de flafla. Sans s'occuper des autres. Et même qu'on se retient d'en dire du mal. Oh, on en a quand même une rude couche, hein. Parce qu'on a beau rire, on est quand même à moitié sérieux. Ouais, la petite moitié. Parce que tous ces gaillards, on les aime bien. Il n'y a qu'à rencontrer un en Suisse allemand, un pire. On lui saute dessus comme si on retrouvait sa bonne amie après une année d'absence. Parce qu'il en faut avoir tant de défauts. La Suisse romande, c'est quand même la Suisse romande. Et chantons encore le pays romand de tout notre cœur et tout simplement. Et chantons encore le pays romand de tout notre cœur et tout simplement.